Vous êtes sur RTL. Deux enfants sont donc en urgence absolue après la chute d'un arbre dans leur cour de récréation. L'accident a eu lieu cet après-midi dans l'école de Bessens, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Deux garçons qui sont donc ce soir dans un état critique, Arnaud Touche. Oui, âgés de 7 et 8 ans, ils sont restés coincés pendant de longues minutes sous ce marronnier centenaire qui s'est effondré sur eux dans la cour de récréation. Bernard Burkel est le directeur de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne. Il est au micro RTL d'Inès Lombardé. Deux garçons ont été, eux, pris en charge médicalement en urgence absolue, évacués vers le centre hospitalisé de Toulouse-Purpan, le premier avec un traumatisme abdominal et donc pris en charge par l'hélicoptère, et le deuxième avec des séquelles à la hanche et à la jambe, qui a été pris en charge lui également par voie routière et toujours à destination du centre hospitalier de Toulouse-Purpan. Alors par chance, une troisième enfant, une fillette, a pu elle-même se défaire du tronc et s'en sort avec quelques blessures légères. L'émotion est immense dans cette école Jules Ferry qui accueille à la fois des classes de maternelle et de primaire. Les parents d'élèves sont sur place et les enfants ont été confinés dans l'école. Une cellule de crise est ouverte dans la commune de Bessens. Arnaud Touche donc pour RTL.